Alors, la mise à jour, vous pouvez demander qu'elle se fasse automatiquement. Donc, plus besoin de la palette lien. Dans les préférences d'Illustrator, vous allez jusqu'à gestion des fichiers et du presse-papier. Voilà, gestion des fichiers. Et ici, mettre à jour les liens, vous allez demander automatiquement. Donc, c'est dans les préférences de l'Illustrator, dans la partie gestion des fichiers, mettre à jour les liens automatiquement. À partir de là, quand je vais dans Photoshop et que je modifie les choses, ça va se mettre à jour automatiquement dans Illustrator. On n'oublie pas que vous pouvez aussi prendre les courbes par leurs extrémités pour remonter la luminosité des parties noires. C'est pas interdit. Ou diminuer la luminosité des parties sombres, claires. Voilà. Je fais donc fichier enregistré et je vais voir dans Illustrator. Il suffit que j'attende puisque la mise à jour va être automatique. J'ai pas besoin de la palette lien et de cliquer sur un bouton. Ça prend parfois un peu de temps. C'est récalcitrant, c'est ennuyeux. Eh bien, il ne veut pas. Bon, l'image est peut-être... Voilà, il s'est mis en route. L'image est peut-être un peu lourde, c'est peut-être pour ça, sans doute. Oui, avec une image plus légère, ça marcherait mieux. J'ai pas une machine très rapide. Voilà, ok. Bien.